Thank you.
Saint-Esprit, touche-nous, Saint-Esprit, maintenant, Seigneur. Que toi, tu viennes envahir nos cœurs, Seigneur. Que tu viennes envahir nos vies, maintenant, Seigneur. Seigneur, nous voulons devenir, Seigneur, nos yeux de nous connecter avec toi. Oh, cher Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous te bénissons encore une fois pour ces instants. Nous sommes en train de passer dans ta présence. Merci de prendre la place de Dieu, la place du roi et de l'autre. Nous voulons que toute la gloire, Seigneur, te revienne ce matin. Dans le nom de Jésus, nous prions ici. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Au début du culte, j'aimerais qu'on le refasse encore. Je vais te donner encore un exercice. Tu vas te déplacer, saluer deux ou trois personnes. Et je verrai que tu dis à cette personne, sois le bienvenu dans la garnison des prophètes. Amen. Déplace-toi, s'il te plaît, et fais-le. Amen. Est-ce que tu l'as fait déjà? Amen. Oh, amen ou pas amen? Amen. Alors, regarde ton frère ou ta sœur à côté. Dis, ma sœur, quand je te regarde... Quand je te vois, tu vois la gloire de Dieu. Dis-le, s'il te plaît.
ou ma soeur, quand je te regarde, je vois la gloire de Dieu. Quand je regarde autour de moi, je vois ta. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ah, c'est
Lorsque vous partez pour ceux qui ont été dans le monde, lorsque des gens veulent faire étalage de puissance, ils mettent des artifices, souvent des statuettes avec des formes un peu horribles, ils ont des vêtements un peu particuliers, et ça donne l'impression effectivement que c'est très très sérieux. Quand j'étais encore tout jeune converti, l'image que nous avions souvent, d'un moment spécial avec le Seigneur, c'est qu'on pensait qu'à un moment donné, la salle devait trembler, le ciel devait s'ouvrir et le Seigneur devait apparaître. Et il y avait un bien-aimé qui avait toujours dit, préparez-vous à rencontrer le Seigneur. Le Seigneur est là parmi nous. Et c'était souvent une grande attente de voir s'il devait se passer forcément des choses extraordinaires. Alléluia. Mais, bien-aimé, le Seigneur est humble. Et ce matin, peut-être à l'apparence, ce ne sera pas des choses à des yeux humains extraordinaires, mais c'est à l'esprit qu'il faut percevoir ces choses extraordinaires. Alléluia. C'est dans l'écoute de son esprit, dans l'écoute de son cœur, que nous apprenons à percevoir les grâces de Dieu. Alléluia. Nous voulons prier ce matin. Alléluia. C'est dire par les grâces. Nous voulons prier ce matin. Particulièrement les entreprises qui m'ont introduit.
Gracias.
Tu as dit, tu vas